Génial. Donc, bonjour tout le monde. Le collectif des filles est super content d'accueillir trois personnes conférencières aujourd'hui. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, Olivier, qui est praticien, formateur aux pratiques de la philosophie pour enfants depuis plus de 10 ans à l'Université de Nantes, co-auteur de l'ouvrage Pourquoi et comment philosopher avec les enfants de Hatier. En 2018, que l'ouvrage est paru. Il est aussi membre de la chaire UNESCO de philosophie avec les enfants et actuellement doctorant en sciences de l'éducation sur la place de l'écriture dans les pratiques de la philosophie pour enfants. Sabrina est professeure des écoles, elle est maître formatrice et elle est aussi correspondante Léa. Et nous avons aussi Charlie, qui est professeure de philosophie dans le secondaire, animatrice et formatrice d'ateliers philo pour enfants. Elle est aussi doctorante en sciences de l'éducation et de la formation à Nantes Université. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Bon, bah, vous m'entendez bien. Ça va, Nadia, on entend bien? Bon, Oui, alors on je vais. entend bien. Parfait, donc je partage mon écran. J'espère que ça va marcher. Et non, ça commence mal. Partager, tac. Donc Ça fonctionne normalement, là c'est bon, vous voyez bien. bien? Vas-y, ça arrive, voilà, c'est bon. Parfait, donc bonsoir à tous. Donc, ce soir, on vous fait une conférence à trois voix, donc avec Charlie Renard, Sabrina Rettoré et moi-même. Et on représente tout un collectif d'enseignants, puisque nous sommes en cours d'une recherche collaborative qui a commencé en 2021-2022 et puis qui s'achèvera en 2024 et qui porte donc sur l'écriture philosophique. On a fait ce choix de travailler sur l'écriture philosophique pour des enjeux de didactique de l'écriture d'un côté, et puis des enjeux liés à la philosophie en tant que telle, avec, on va dire, quatre grands enjeux donc, qui sont nommés heuristiques, génétiques, institutionnels et démocratiques. L'enjeu heuristique qui renvoie à l'idée que l'écriture en fait est un excellent outil pour penser, pour se construire. L'enjeu génétique, il renvoie à l'idée un petit peu provocatrice qu'il n'y aurait pas de philosophie sans écriture, ou en tout cas sans genre scriptural. L'enjeu institutionnel, il est lié à la France, au contexte français, et au fait que nous avons, nous, la philosophie obligatoire en terminale, avec un très gros taux, d'échec en philosophie en terminale. Et donc, cette idée qu'on pourrait préparer le plus tôt possible les élèves à la réussite de l'exercice philosophique en terminale, dont l'exercice de la dissertation. Charlie vous en reparlera plus tard. Et enfin, bah, l'idée de démocratie, c'est que l'écriture philosophique portera en elle un très grand enjeu de démocratisation de la philosophie de façon plus générale. La question générale de recherche qu'on a, c'est donc explorer les conditions de possibilité d'un enseignement-apprentissage de l'écriture philosophique, et ce, de façon très ambitieuse, dès la fin de l'école primaire. On est un groupe donc de trois professeurs des écoles, en classe de CM2 en France, c'est l'équivalent de 10 ans, 10-11 ans chez vous, au Québec. On a deux professeurs de français qui sont donc en collège, Sabrina Rettoré, Charlie Renard, pardon, professeur de philosophie, et une conseillère pédagogique, un inspecteur et puis moi-même. Et je précise que cette recherche fait l'objet d'une thèse. Voilà. Alors, on vous propose en fait pour commencer. Ah. Il y a un micro qui allume. Alors, on vous propose pour commencer une petite lecture de copies en fait d'élèves, voilà, de production d'élèves. Toutes les productions que vous allez voir sont donc d'enfants de 10, 11, 12 ans. On va commencer par là et à partir de la lecture de ces copies, ben on va vous proposer de vous dérouler un petit peu le dispositif qu'on a créé et on répondra à toutes les questions à la fin. On vous recommande donc de noter vos questions au fur et à mesure. Première copie, c'est un enfant donc qui répond à la question: peut-on se connaître soi-même? Donc je vous lis la copie parce que je ne suis pas sûr que ce soit lisible sur vos écrans. Introduction. Nous nous sommes posé la question:
Peut-on se connaître soi-même? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'avoir une idée claire de ce que l'on est? Est-ce qu'il est possible de connaître notre identité? Est-ce qu'on peut se connaître soi-même ou ce sont les autres qui nous connaissent le mieux? Est-ce qu'il y a des choses qui nous limitent ou nous empêchent de nous connaître? Pour commencer, nous pensons que se connaître soi-même est difficile, car par exemple, nous ne connaissons pas nos goûts futurs. Cela veut dire que nous changeons avec le temps, comme le bateau de Thésée. Pour poursuivre, nous pensons qu'il y a des choses inconscientes qui nous empêchent de nous connaître nous-mêmes. Par exemple, une fille a dit à sa maman qu'elle parlait trop fort au téléphone, elle ne le savait pas. De plus, nous pensons que dans notre mémoire, il y a des souvenirs et des idées qui viennent et d'autres qui partent, donc celles qui partent, nous les oublions. Ce qui fait que les souvenirs de quand nous étions petits laissent place aux idées et aux souvenirs du présent et du passé. Donc, nous sommes obligés de nous voir en photo plutôt que dans notre mémoire. Du coup, notre identité change tout le temps. Mais nous poursuivons avec oui, car nous pensons qu'on peut se connaître soi-même. Pour commencer, on peut très bien connaître notre personnalité, car on sait qui on est au fond de nous. Pour poursuivre, nous pensons que personne ne peut connaître nos qualités et nos défauts mieux que nous-mêmes, nos secrets et nos proches. De plus, nous connaissons nos sentiments, par exemple, si je suis en colère, mais que je suis isolé, je suis le seul à savoir qui je suis, que je suis en colère. Oui, on peut se connaître soi-même, car si je ne me connais pas, je ne connais rien de moi. Par exemple, je ne peux peut-être pas avoir de personnalité, car si je n'en ai pas, je ne suis rien du tout. Donc, je vais exister physiquement, mais pas mentalement. Pour conclure, j'ai été énormément mitigé, mon avis a balancé entre les deux. Entre les deux. Mais Mais finalement, pour finalement, moi, pour moi. il y a un micro qui est allumé, pardon. Mais finalement, pour moi, ça sera non, car peut-être on peut connaître tout seul, oui, se connaître tout seul, oui, mais moi, je sais que je sais énormément de choses grâce aux autres, et c'est aussi grâce à notre nourrissage culturel que j'ai réussi à trancher. Donc pour moi, ça sera non. Pour peut-on se connaître soi-même, car j'ai besoin des autres pour savoir vraiment qui je suis. Voilà, ça c'était la première copie. Donc vous voyez, j'ai découpé, mais en fait c'est un seul texte. C'était pour que vous repériez les paragraphes. Deuxième texte, Charlie. Alors, pourquoi vouloir grandir? Est-ce qu'on grandit réellement? C'est une question que je me pose, car est-ce que le mot grandir ne serait qu'un prétexte pour qu'on apprenne et qu'on fasse des choses de grand? Les avantages seraient que, logiquement, on pourrait faire ce qu'on veut, et les inconvénients seraient que les responsabilités seraient plus lourdes. Est-ce que ne plus faire de bêtises signifie vraiment que tu es grand? C'est une question qui me paraît bien, car les gens peuvent très bien faire des bêtises tout en étant grands. Donc, ça me donne des doutes. Les avantages sont qu'on peut faire des petites bêtises, pas grave, tout en étant grand. Les inconvénients sont que tout le monde serait parfait et qu'à la moindre erreur, prison ou même, j'arrive pas à lire ici, par exemple, peine Peine de de mort. mort, et ce serait horrible. Est-ce qu'utiliser des objets dangereux signifie que tu es grand? En fait, j'utilise déjà des objets dangereux, mais je pense que ça ne signifie pas qu'on est grand. En fait, grandir signifie que ton corps change, mais pas que. Nous devenons plus intelligents et plus matures, mais ça demande beaucoup de responsabilités. Car si tu veux fonder une famille, il faut s'en occuper. Et toutes ces choses-là font que nous sommes des humains et que nous grandissons. Donc voilà deux exemples de dissertations, on a mini-dissertations qu'on obtient en fin de parcours. Ce sont des produits finaux, pré-édition. Et on vous présente deux autres copies. Et là, c'est Sabrina qui va vous les lire, assez différentes. Avec le micro, c'est mieux. Petite identité. Petite identité, petite identité. Réussiras-tu à me retrouver? Parmi les gens qui me ressemblent tant. Petite identité, pourras-tu me trouver, m'éclairer dans la nuit sombre avec le vent? Petite identité, arrête, arrête, je sais que tu me mens. Petite identité, où es-tu? Je ne te vois plus. Arrête, arrête, mes pensées disparaissent. Je suis là, mais je ne vois plus. Petite identité, je ne peux vivre sans toi. Je ne pense plus, je ne réfléchis plus, je n'y arrive plus.
Avec toi, je peux tout. Sans toi, je ne peux rien. Aide-moi à exister, petite identité. Donc, première poésie obtenue et dernier texte qu'on vous présente, toujours Sabrina. L'identité. Tu es moi, mais je ne te connais peut-être pas. Je sais que tu es là. Tu te caches, mais dans quel endroit? Tu diriges mes sentiments, auparavant comme maintenant. Tu es mon âme, créant parfois certains drames. Tu es caché, dis-le-moi. Je ne dirai à personne puisque tu es moi. Voilà. On a fait ce choix donc de vous faire notre préparer notre conférence avec les produits qu'on obtient à la fin du dispositif qu'on a créé. Et donc maintenant, on va vous présenter comment on en est arrivé là en fait. Donc le premier élément, on va partir de l'idée de comment on a défini ce qu'est une écriture philosophique, puisqu'on a considéré que ces quatre écrits étaient philosophiques, ou du moins on visait une écriture philosophique. Donc Charlie va vous présenter les résultats, enfin la définition qu'on s'est donnée d'une écriture philosophique. Alors en fait, c'est vrai qu'on a, on a commencé par réfléchir collectivement à ce que pourraient être les caractéristiques principale de la philosophicité d'un texte, sachant qu'on est quand même affaire à une grande diversité, si on regarde l'histoire de la philosophie, une grande diversité de textes différents. Est-ce qu'on peut trouver finalement des caractéristiques propres à tout texte philosophique? Alors il se trouve que là, les six caractéristiques qu'on a proposées, ça, on ne les trouve pas forcément dans tous les textes qu'on dit philosophiques, mais en tout cas, on retrouve beaucoup de choses dans ces textes-là. Alors, d'abord, pour commencer, je veux bien que la première caractéristique, ça pourrait être la nature du sujet abordé, donc que ce soit éthique, politique, esthétique, épistémologique ou existentielle. Ensuite, ça peut être la présence d'indicateurs discursifs des quatre compétences clés. Alors, interpréter, problématiser, argumenter, conceptualiser. On aurait pu aussi utiliser les habiletés de pensée qui sont plus fréquentes au Québec, notamment. Troisièmement, la pratique d'une intertextualité, qui est un concept qui a été théorisé par Bakhtine. Alors pour expliquer un petit peu ce que c'est rapidement que l'intersexualité, moi j'aime bien l'image que prend Clémentine Beauvais. Elle dit en fait, l'intertextualité avec le langage, c'est comme si il y avait un chewing-gum qui était mâché par tout un tas d'enfants dans une cour de récré, et qu'en fait on récupérait le chewing-gum et qu'on peut passer à quelqu'un d'autre. En gros, c'est l'idée que quand on dit Bakhtine, c'est que le langage, il n'est jamais totalement neutre. Il est toujours tissé avec les textes qui ont été dits auparavant, écrits auparavant. Et finalement, c'est cette idée que les textes se croisent et se font écho. Finalement, c'est « Ah, tiens, ça me fait penser à… » Quatrième caractéristique, ce serait l'intentionnalité de celui qui écrit, du sujet écrivant, et son engagement. L'idée, c'est que finalement, c'est pas uniquement l'idée que la philosophicité serait une forme, par exemple, que ce soit, je sais pas, un texte argumentatif ou autre, mais c'est plutôt quelle est l'intentionnalité du sujet écrivant quand il écrit. Est-ce qu'il a l'intention de produire quelque chose qui fait penser, qui fait philosopher? Cinquième caractéristique, on aurait la manifestation d'une activité métadiscursive et métacognitive. Donc en gros, ce serait l'idée que le sujet écrivant donnerait à voir ses processus métadiscursifs, par exemple en disant « si je fais l'hypothèse que », en disant « par exemple » ou « si on entend par liberté », etc. Ça, c'est tout un tas d'indicateurs qui montrent que le sujet écrivant produit un texte qui aurait une philosophicité. Et enfin, la manifestation d'une activité radicalement interrogative, qu'on retrouve un petit peu avec la notion de problématiser au-dessus, mais c'est l'idée que le texte donne à penser et que le sujet écrivant s'interroge en écrivant. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir les six critères dans chaque texte, mais d'aller à la pêche à ces critères au cours de la composition des textes. Alors, on a construit en fait des boucles itératives en séminaire. On a élaboré en fait un dispositif qu'on duplique, qui a un certain nombre d'appuis théoriques. D'une part, l'approche interprétative telle que François Galichet l'a définie dans son ouvrage « Philosophie à tout âge ». D'autre part, en didactique de l'écriture, la place importante à accorder à la réécriture. Ensuite, l'importance de l'usage des listes et des tableaux pour penser. L'usage de la prise de notes. Et l'usage des cercles d'auteurs, je crois que vous êtes très acculturé au Québec à cet usage-là, donc on le développera beaucoup moins.
Alors, sur ce poster assez riche, vous voyez l'architecture globale du dispositif, qui est très ambitieux puisqu'il court sur 10 séances en moyenne. Donc les enseignants, Sabrina pourra témoigner, mais les enseignants rêvent de dispositifs beaucoup plus courts parce que c'est assez chronophage. Mais en fait, pour arriver au résultat qu'on vous a montré en début de parcours, on a du mal en fait à compresser les étapes. Donc on va, si vous voulez bien, faire une focale sur quelques-unes de ces étapes. On n'a pas le temps ce soir de tout vous détailler. Vous pouvez simplement voir la richesse, la diversité des outils qu'on a créés et l'importance dans ce dispositif d'écrit intermédiaire. Évidemment, vous vous doutez que tout du long de ce parcours, la place de l'oral, la place de la discussion est centrale. On n'est pas en train de dire qu'on ne fait qu'écrire. On écrit, on articule, écriture et pratique orale. Donc on a une phase d'amorce, généralement à partir d'un photolangage. Donc on part, c'est pas toujours, mais c'est très fréquent qu'on parte d'un photolangage et que la consigne la plus fréquente est « Choisis là où les images qui se rapprochent le mieux de ta conception de la liberté. Choisis, utilise les images pour donner différentes conceptions du rire, etc. etc. » Et ça donne lieu à une écriture que nous appelons assez libre. Les élèves doivent produire un tout premier écrit. Lors de la phase de mise en commun, où ils partagent ces conceptions, l'enseignant prend note au tableau des différentes conceptions qui se dégagent, synthétisent, et les élèves doivent prendre des notes. La prise de notes sera constante au cours du dispositif. Les élèves sont très souvent en position de prendre des notes. La deuxième phase, c'est une phase de liste. Les élèves produisent des champs lexicaux autour du thème retenu. Alors, j'ai oublié de vous préciser que le thème, il peut être convoqué par les élèves, mais ça peut être aussi un thème choisi par l'enseignant qui dit « on va commencer cette année par parler de la liberté ». Ce n'est pas toujours au choix des élèves. Ça dépend des classes. Donc, on a le thème, la liberté, on a produit un texte libre, et là, on demande un champ lexical, on demande des mots amis, des mots ennemis, des exemples. Voilà, un bain culturel et lexical. La troisième étape, c'est à partir de tout ce matériau qu'on a produit, un premier texte avec des conceptions, une approche interprétative, des listes de mots, émerge déjà un premier jeu de questions. Et on pourrait assimiler ça à la cueillette de questions très lippmannienne. C'est un petit peu différent aussi dans le sens où ce ne sont pas forcément les élèves qui vont voter pour la question qui sera retenue. Parce que dans notre dispositif, il nous semble fondamental que la question qui va être retenue soit particulièrement problématisante. Si la question est mal choisie au départ, tout le dispositif va se casser la figure après. Donc là, il y a un choix généralement qui est fait par l'enseignant de la formulation finale de la question qui ne veut pas dire, formulation qui ne veut pas dire qu'on ne va pas problématiser avec les élèves collectivement la question. Ensuite, il y a une étape très intéressante dont on est très satisfait, particulièrement satisfait, originale, qui est que, avec la question retenue, par exemple, vous voyez à l'écran « Peut-on rire de tout ?», qui est la question qui a été retenue, les élèves vont aller enquêter. Encore une prise de notes. Ici, d'ailleurs, sur l'exemple que vous avez au tableau, c'est un peu un échec parce qu'en fait, l'élève n'a pas joué le jeu de la prise de notes. Il a fait noter par les interviewés les réponses. Mais normalement, c'est pareil, c'est un intervieweur et il va interroger des catégories de personnes très distinctes, enfants plus jeunes, adolescents, adultes éducateurs, personnes âgées, sur la question. De retour en classe, il y a une mise en commun de ces enquêtes. On élabore un certain nombre de catégories de réponses. Et là, sur cette question retenue, par exemple, pourquoi rit-on ? Les élèves vont être en situation de produire ce qu'on appelle un écrit non linéaire, que d'aucuns pourraient nommer aussi une carte mentale. L'enseignant va offrir aux élèves une très large panoplie, palette, un répertoire graphique, ce qui fait que je vous ai mis ici la diversité des productions qu'on obtient. C'est assez spectaculaire le fait qu'on n'a pratiquement pas deux élèves qui utilisent le même répertoire graphique. On va avoir des tableaux, des cartes, des bulles, des listes. On va avoir toute forme de production. Alors, je me penche juste sur cette production qu'on trouve assez représentative d'une élève qui, vous voyez en haut à gauche, a produit
un texte bref, très bref, sur le photolangage, puis qui a mené son enquête et qui, sur la question « La liberté, est-ce faire ce que l'on veut ?», a utilisé une carte, tout simplement une carte, et qui interroge le lecteur ou elle-même « Tu es le petit point noir. Tu vas vers le vert, le rouge ou le bleu ?» Le vert, c'est interdit, le rouge, c'est danger, le bleu, libre arbitre. Et elle commente son schéma. Tu es le petit point. Tu peux aller où tu veux, dans la partie rouge, vert ou bleu. Quelle partie choisis-tu? Je répète, la question, c'est la liberté, est-ce faire ce que l'on veut? Tu es toujours le petit point noir. Tu peux toujours aller où tu veux. Mais maintenant que tu sais que le rouge est le danger, le vert est les interdits et que le bleu est le libre arbitre, où vas-tu aller maintenant? Dans le rouge, dans le vert ou dans le bleu? Non, parce qu'on peut être libre, mais il faut quand même respecter les autres et les règles du pays, donc on ne peut pas être libre véritablement. Elle amorce sa réflexion. On est bien là sur des écrits particulièrement réflexifs, vraiment des écrits de travail intermédiaires pour poser sa pensée, pour penser dans une dialectique écrit-pensée, pensée-écrit. Voilà, comme on a peu de temps, je vous signale que certaines diapos, on va très très vite, mais c'est pour que vous ayez du matériau ensuite, puisqu'on déposera, on vous mettra à disposition le diaporama. Donc là, la copie de Shana est aussi très intéressante dans l'usage qu'elle fait de l'espace et comment elle pose sa réflexion. Étape suivante, à partir donc de cette première réflexion non linéaire, on va avoir une discussion philosophique qui n'a pas de méthodologie imposée, qui peut aller vers la DVDP, vers la maïotique, vers la CRP. On ne s'impose pas de méthodologie de la discussion. Par contre, là, on a vraiment un temps de discussion conséquent avec cette originalité peut-être que Charlie, en tant que professeur de philo, offre aux enseignants. Alors, je participe à la conception de ces dissertations, mais on offre aux enseignants des mini-dissertations qui leur permettent un petit peu de guider la discussion, en tout cas de trouver le questionnement adéquat. Est-ce que Charlie, tu veux commenter cette phase-là? Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est tu disais, j'offre ou nous offrons, mais il y a aussi certains professeurs qui s'en emparent aussi. Par exemple, Justine, qui n'est pas présente ce soir, mais la dissertation « Peut-on rire de tout », c'est elle qui l'a proposée. Et donc, cette idée, en tout cas, c'est ce qu'elle t'avait dit, hein, Olivier, si je ne me trompe pas, que ça l'aidait beaucoup ensuite à animer l'atelier de discussion sur cette question-là, d'avoir anticipé, d'avoir essayé de produire cette mini-dissertation sur ce sujet-là. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un outil de formation, en fait, avec ces mini-dissertations. Merci, Charlie. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que dans nos dispositifs, quelle que soit la méthodologie, la trace écrite de l'enseignant est capitale. L'enseignant écrit constamment devant les élèves. Il écrit de façon plus ou moins modélisante. Là, le tableau que vous avez, il est modélisant dans le sens où l'enseignant, c'est moi-même, en fait, j'ai transpiré comme pas possible pour garder trace de ce qu'il disait et de ce qui se passait pendant la discussion. Et je trouve ça modélisant pour leur montrer la complexité d'une prise de notes, de la complexité de l'écriture non linéaire, justement. Et nos stratégies ne sont jamais les mêmes d'une discussion à l'autre, ce qui offre justement et ce qui nourrit la phase précédente de répertoire graphique dont je vous parlais, et qui va aider les enfants à se donner une représentation de ce qu'est un écrit de travail, un écrit non linéaire. Charlie ? On va peut-être avancer un petit peu, parce que là, ça tourne, si on veut que Sabrina puisse parler. Donc là, on ne parle pas de la septième phase, c'est une phase de pré-planification avec des cartes conceptuelles. Une huitième phase de nourrissage, on en reparlera si vous avez des questions là-dessus, mais nourrissage culturel. Et on arrive en fait à la bascule dans la deuxième grande étape de notre dispositif. Là, jusque-là, on a beaucoup fait des écrits intermédiaires de travail pour faire émerger notre cheminement vers la dissertation. Et donc là, on a différents projets, parfois c'est le dialogue. Là, on vous présente le choix de faire la dissertation avec des phases. Cercle de planification, exercice post-it, commentaire entre pairs, cercle de révision, production finale, publication. Et donc là, je donne la parole longue et tranquille et paisible à Sabrina.
Voilà, alors si on veut être tout à fait exact, finalement, ces post-it, ils arrivent quand même bien avant cette phase, puisque cet exercice qu'on appelle post-it est là avant la discussion philosophique. Donc, une fois qu'on aura choisi notre question, par exemple, là, c'était « Y a-t-il un rire universel ?», ça va être l'exercice premier qui va être proposé aux élèves de répondre à cette question. Avec d'un côté, on pourrait dire oui car, et de l'autre côté, on pourrait dire non car si ça s'y prête, ou un autre plan, bien sûr, en fonction de la question. Et ce qui va être important, en fait, c'est que leur proposer cette question dès le début va pouvoir les confronter à leur manque et à leurs besoins, et les enfants eux-mêmes vont pouvoir identifier leur manque et leurs besoins pour répondre à la question. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, cet exercice, il arrive très tôt dans le processus, très tôt dans la colonne vertébrale de notre déroulé de séquence. Et ils se confrontent, ils font ça tout seuls, ils trouvent ça difficile, et ensuite ils identifient leurs besoins dans la séquence pour pouvoir davantage répondre à la question, pour avoir davantage d'idées. Cet exercice post-it, il reprend les habiletés de pensée, donc on le voit à gauche, hein. Il s'agit que l'élève aille chercher un post-it d'une couleur quand il a identifié ce qu'il voulait écrire, un argument, un exemple, une question, une conséquence ou une définition. Bien évidemment, au début du processus de la séquence, on va plutôt être sur argument-exemple, et puis ça va s'enrichir au fur et à mesure de notre séquence, une fois qu'on aura la discussion philosophique, le nourrissage culturel, des confrontations entre pairs aussi pour enrichir les post-it, etc., etc. L'avantage qu'on y trouve, c'est qu'on peut écrire de façon linéaire ou pas, et que on peut enlever. En fait, on peut déplacer, remplacer, ajouter, supprimer. C'est très pratique. Si au bout de deux séances, finalement, on a changé d'avis en fonction de ce qu'on a lu ou de ce qu'on a entendu, on enlève son post-it, on en a un autre ou on n'en rajoute pas si besoin. L'avantage aussi qu'on y a, c'est que ça développe une écriture conscientisée, puisqu'il va falloir déjà, premièrement, hein, pour des enfants qui ont 9 ans, hein, 9-10 ans, identifier si l'idée qu'on a, c'est plutôt un argument oui ou un argument non. Et c'est déjà tout un processus en soi, hein, de cette identification. Et une fois qu'ils ont réussi à placer leur post-it plutôt dans l'argument oui ou non, il va l'exemplifier, trouver un exemple qui va avec. Donc, identifier que c'est un exemple. Donc, en fait, on travaille finalement sur une double lecture, à la fois identifier ce qu'on est en train d'écrire et à la fois penser à ce qu'on va écrire. Je ne sais pas, Olivier, si ensuite tu as. Voilà, donc là, on voit avec la diapo suivante. On voit avec les 1, je ne sais pas si c'est bien lisible, alors là c'est peut-être que des 1. Donc ça veut dire que tous ces post-it, ils ont été réalisés avant même qu'on fasse et le nourrissage et la discussion philosophique. J'aime bien qu'ils numérotent parce que moi, ensuite, je vois en fait à quel moment les idées sont arrivées. Puis parfois, une idée 2, elle va se retrouver avant une idée 1, où les idées 1 vont être supprimées ou pas. Mais ça permet de voir en fait, pour nous enseignants, comment, en fait, les différentes phases entre les écrits intermédiaires enrichissent l'écriture. Par rapport, du coup, au développement de la conscientisation de l'acte d'écriture et au développement du méta, on a un exemple à gauche d'une mise en commun sur l'écriture post-it numéro 1. Et voilà, c'était là, enfin, on a fait ça il y a quelques semaines. Et ça vient vraiment des élèves. Là, il n'y a pas d'étayage, en fait, de ma part. C'est vraiment, je leur dis, est-ce que ça a été difficile? Bon, en général, forcément, oui, c'est difficile. Et je leur dis, bah, quelles étaient vos difficultés? Donc, je n'avais jamais réfléchi à la question. Je ne sais pas trop si mon argument, c'est un argument. Est-ce que mon exemple est un exemple? Bon, là, on est sur la nature, hein, de ce qu'on écrit. Souvent, le problème soulevé, c'est que d'emblée, ils ont une appétence plus pour le oui ou pour le non. Et c'est super difficile de se décentrer avec la thèse avec laquelle ils sont le plus d'accord. Et puis, la cohérence. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils identifient très facilement eux-mêmes. Et on voit à droite, ensuite, je leur dis, bon, ben bah, voilà, pour dépasser ces problématiques, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et là, très facilement, ils arrivent à trouver de quoi ils ont besoin. Donc, de nourrissage culturel, de débats pour avoir les idées des autres, surtout pour les arguments pour lesquels ils ont moins d'idées, de travailler en écriture collaborative, puisqu'on écrit à partir d'eux, hein, c'est ce que Olivier a dit tout à l'heure, on écrit en collaboration, on a plus d'idées, on s'aide, c'est plus facile, et puis de savoir aussi que cette écrit, cette production qui va donner à la fin un écrit dissertatif, quand on va le mettre en cohérence, on va l'enrichir avec des connecteurs, etc., sera lu, sera donné à voir, sera publié, sera valorisé. Donc là, on voit un petit peu, donc c'est des exemples, hein, de processus. C'était sur l'identité, on voit l'évolution des post-it 1 et 2. Et puis ça, c'était quelque chose que j'ai fait l'année dernière, et en séminaire, on avait analysé le manque, puisque on restait sur plutôt argument-exemple, et j'avais un peu mis de côté, en simplifiant, les autres habiletés de pensée, mais finalement, qui manquaient. Donc c'était à peine assez riche, et cette année, donc, j'ai rajouté les autres habiletés de pensée, conséquences, questions, définitions, pour qu'ils puissent enrichir leurs écrits. Et donc là, on voit que on commence toujours par un écrit seul, pour penser soi à partir de soi, seul avec soi-même, et puis on va ensuite vers les autres. Merci Sabrina, est-ce que tu as fini? Oui. Eh bien super, et merci beaucoup à toi d'avoir précisé que je faisais comme si c'était monolithique, et en fait on est dans une recherche collaborative, et il y a plein d'enseignants, ils s'approprient les dispositifs différemment, avec une chronologie différente, et j'ai fait comme si la chronologie était commune à tous, donc merci d'avoir rectifié mon propos. Bon, alors là, il y avait d'autres exemples, et donc comme il nous reste peu de temps, je vous propose simplement de survoler la fin, c'est-à-dire que à l'issue, donc Sabrina vous a dit, hein, déjà dans la phase de post-it, quelque part on est déjà en cercle d'auteur avec cette bascule entre écrit individuel, écrit collectif à plusieurs. Et là, beaucoup d'enseignants, dont Stanislas Brière au Mans, ont investi votre travail québécois avec la richesse de votre site. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura juste à cliquer ici au milieu et vous arrivez sur le magnifique site des cercles d'auteurs, qui a un travail fabuleux sur comment passer de la planification à la rédaction, le partage, la réécriture, la révision et la publication par des phases individuelles et collectives d'écriture. Voilà, hop. Donc là, on vous a mis aussi un exemple que vous pourrez lire à tête reposée, où on demande aux élèves tout simplement de commenter de façon anonyme des copies anonymées de leurs camarades. Donc ils reçoivent un texte anonymé, ils ont un numéro, ils commentent la copie, tout le travail étant qu'ils commentent sur le fond et non pas sur la forme, qu'ils soient donc en posture de sujet lecteur et qu'ils considèrent l'auteur comme un auteur. Sabrina encore a testé, mais on n'a pas le temps de déplier, mais ça fait écho à tout ce qu'on a dit, la dissertation à 22 mains, mais qui fait écho à tout, voilà, à tout ce qui a été dit. Et enfin, eh ben, on finit par une publication, or pas toujours, hein, parfois on s'arrête avant, mais on a notre collègue Justine Juret qui a, elle, créé un petit journal de classe, et donc je laisserai bien Charlie commenter rapidement ce journal de classe. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, c'est les élèves qui s'emparent de A à Z de la publication de ce journal, qui imaginent les différentes pages et leur contenu, et qui se servent vraiment de ce qui a été fait en classe pour ensuite le proposer à la lecture dans l'établissement, pour les parents, etc. Donc là, on voit encore la variété des types d'écriture, hein, que ce soit sous forme de petites BD, de nuages de mots, d'inventions de mots croisés, avec les concepts importants qui ont été vus dans la séquence, des petits, une phase de nourrissage, des petites, la dissertation qui a été faite aussi de façon collective. Enfin voilà, tout un tas de choses qui montrent que l'écrit est envisagé, est emparé par les élèves aussi de façon vraiment créative et dans la volonté de partager avec les familles, avec le reste de l'équipe éducative.
Alors la dissertation, juste pour préciser, des fois elle est individuelle, des fois collective, des fois c'est un choix à la Freinet, hein. Il y a un vote qui est fait chez Justine de la dissertation qui apparaîtra, et puis des fois c'est effectivement une dissertation collective. Ça dépend de ses numéros. Voilà, donc pour conclure, vous voyez qu'on a une approche plutôt circulaire plutôt que linéaire de l'écriture, qui ouvre sur des écritures, avec le souci qu'on a très scolaire, puisqu'on les fait rentrer dans un genre scolaire, un genre disciplinaire, une discipline philosophie, qui est une discipline de l'école française, hein, en tout cas en France, et avec ce paradoxe qu'on cherche à la déscolariser pour mieux la rescolariser, voilà, au sens grec du terme, c'est-à-dire permettre aux élèves de construire les normes, de se libérer du carcan de normes qui leur sont imposées de l'extérieur. Donc, on considère que c'est un vrai lieu d'émancipation et ça nous permet de faire une défense et une illustration de la dissertation qui nous tient à cœur, avec ce propos d'Elisabeth Bautier qui dit qu'ainsi, le paradoxe de l'écriture réflexive, ce qui est le sens de la dissertation, c'est de n'avoir de valeur que quand elle n'est pas conformation à la norme scolaire, quand elle la dépasse, autrement dit, quand elle n'est pas communication avec le seul lecteur effectif, l'enseignant, mais avec les autres possibles et avec soi. On vous invite à aller voir nos ressources en ligne. Il y aura juste à cliquer sur cette image. On a un site où on dépose tous nos modules ainsi que des fiches pratiques des recto verso. Et tout ceci n'est qu'un début pour nous. Voilà, je vous remercie. Nous avons terminé. Donc, merci Olivier, merci Sabrina, merci Charlie. C'est moi qui vais animer la période d'échange. Il nous reste environ 20 minutes. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main à l'aide de la petite main qui est au haut de l'écran. Je vais favoriser l'équité, c'est-à-dire que si une personne a parlé 3 fois puis une autre 0, je vais prioriser celle qui n'a pas parlé encore pour les droits de parole. Est-ce qu'on a une première question, réaction, commentaire? Oui, Marie. Oui, ben bonjour à tous. Merci, c'était tellement riche, hein, beaucoup d'informations. On a envie d'aller voir tous les détails et toutes les étapes. Donc, merci beaucoup. Y a plein de choses, hein. C'est juste que j'ai du mal à choisir dans mes questions. En tout cas, oui, juste pour l'âge, en fait. Il y a une question qui est passée, quel âge avaient les rédacteurs de la copie? C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir. Bon, moi, je travaille avec des très jeunes et puis en plus qui ont des difficultés langagières, donc c'est sûr. Mais malgré tout, j'ai trouvé que j'aime beaucoup l'idée de pouvoir avoir des traces quand même écrites et puis visuelles ou schématiques, parce que je pense qu'en effet, on réfléchit. C'est difficile de ne pas avoir de traces et d'être que dans l'oralité. Et des fois, même avec quelques mots-clés, etc., nous, on travaille aussi avec des affiches, des supports visuels. Mais je pense qu'on pourra aller plus loin et en effet travailler tout ce qui est en amont du dialogue. Donc, j'ai beaucoup aimé l'idée des post-it. C'est super intéressant, en plus, avec les couleurs. Je suis sûre qu'avec nos élèves, on va l'essayer. Là, je vais montrer ça à mes collègues. Puis oui, c'est juste le philomag. Et ça m'a fait penser aussi aux philosines de Brilla, hein, qui aussi va travailler avec du travail artistique. Y a les arts plastiques aussi qui se mêlent aux philosines avec la poésie, etc. Mais je pense que vous avez vraiment la dissertation. Je trouve ça vraiment intéressant, en fait, parce que on a tendance à être un peu soit dans le dialogique, soit dans l'écrit. Puis là, ça redonne la noblesse de la pensée réflexive à l'écrit. Et c'est ça, je trouve que je vais expérimenter ça dans la mesure du possible, si je peux. Bah, merci en tout cas. Merci Marie. Je ne sais pas si ça ne prête pas vraiment à... C'était plus un témoignage, on est d'accord. Moi, je voulais juste peut-être réagir avant de prendre une autre question à l'intervention de Marie. C'était de dire, on ne l'a pas précisé, qu'on n'est pas du tout dans des écoles avec un milieu forcément favorisé. Hein. Nous, on est dans une école avec un milieu très mixte. Hein. On a les moins bons résultats d'évaluation nationale de CPCE1 de notre circonscription. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de barrière de niveau requis des élèves, au contraire. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être proposé à tous, peu importe la difficulté, et qui peut, chacun peut s'en emparer.
Merci pour la rétroaction positive puis le commentaire, Sabrina. Donc, on va donner la parole à Anna. C'est tout en haut à droite, normalement, ton microphone. Oui, le micro est fermé. Super. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ça m'inspire beaucoup parce que j'anime des ateliers philo et je suis essentiellement dans l'oralité. Et c'est vrai que je vois aussi les limites ou en tout cas l'intérêt de l'écriture pour la formation même de la pensée philosophique. Et aussi, je pense, pour la satisfaction des enfants qui peuvent voir leur pensée matérialisée et se voir eux-mêmes, en fait, évoluer dans leur pensée. Donc, je trouve ça très précieux et je vais beaucoup m'en inspirer. Et la question que je voulais vous poser, ça rejoint un peu ce sujet des difficultés, c'est-à-dire qu'on dit que les enfants, et je l'ai constaté un petit peu à mon échelle, ont parfois de grandes difficultés d'écriture. Moi, je le vois même chez des lycéens. Et donc, je me demandais comment vous gériez, en fait, cette réalité. Enfin, après, je ne sais pas dans quelle mesure elle est importante, mais comment vous faites face quand il y a des élèves qui ont de gros problèmes, en fait, pour écrire à un niveau assez élémentaire. Olivier, je crois que... Est-ce que tu as la copie de Nolan pas loin ou... Oui. Pendant que je la lance, je veux bien que Sabrina, tu commentes. Bah, disons qu'en fait, finalement, les écrits qu'on va proposer tout au long de la séquence peuvent s'adapter à, j'ai envie de dire, à n'importe quel niveau, et à n'importe quel niveau scolaire par rapport à l'écriture. Chacun peut finalement produire un écrit. On n'en a pas parlé, mais moi, j'aime bien partir de toujours d'un écrit personnel, par exemple, sur grandir. C'était quand est-ce qu'on est grand, je ne sais plus si c'est exactement la formulation, mais peu importe. Et là, les enfants pouvaient répondre ou dessiner. Sur l'identité, ils pouvaient se dessiner quand ils étaient petits et plus grands et mettre simplement des mots sur ce qui avait changé. Donc en fait, ça va s'adapter. Et tout comme l'écrit post-it, l'élève, il peut ne choisir d'écrire que des exemples si c'est plus simple, par exemple, ou commencer par ça. Et puis après, il y a toujours une phase collective, donc écrire à partir d'eux, avec un pair, sur cette collaboration. Donc c'est quand même tout un processus où je trouve qu'on adapte, on différencie beaucoup, et ça gomme, alors c'est peut-être pas le mot exact, mais ça s'adapte vraiment bien à toutes les difficultés de rentrer dans l'écrit. Et puis je rajouterais qu'il y a aussi cette idée que ça dédramatise l'écrit aussi, avec cette variété de propositions, de formes d'écrit. Et ça, on l'a pas dit, mais l'écrit dissertatif nous tient à cœur, ça reste aussi un outil pour la pensée. C'est-à-dire que ce n'est pas la production finale qui serait l'achèvement. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de hiérarchie entre les écrits. Par exemple, il y a certains enfants qui ont produit des écrits beaucoup plus riches en écrits non linéaires que dans la dissertation. Il y a aussi des variations et on sent qu'ils s'en emparent différemment et qu'ils sont plus ou moins à l'aise aussi selon les types d'écrits qu'ils doivent produire. Mais on ne dit pas que l'alpha et l'oméga, ce serait l'écrit final, l'écrit linéaire. C'est plutôt comment ces différents écrits nourrissent et permettent de faire penser. Quoi. Et puis, il y a aussi ce dont on n'a pas parlé, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est aussi par rapport à la correction. On n'en a pas parlé, mais en fait, on ne les corrige pas, on essaie de leur répondre. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un commentaire normatif, on va plutôt... soit à partir de post-it, des choses déplaçables sur leur copie, plutôt leur poser des questions. Qu'as-tu voulu dire? Aurais-tu un exemple? Pourrais-tu venir m'expliquer? Et ça va être vraiment en fait des petites choses, des petites questions où on répond à ce qu'ils nous ont écrit. On les lit. Okay. Je me permets, avant de passer, s'il y a d'autres questions, de réagir à Jean-François. Jean-François, où je te dis oui à tout. Donc, Lahire, évidemment, en tout cas dans ma thèse, j'ai toute une partie sur, évidemment, les travaux de Bernard Lahire par rapport à cette question de la scolarisation. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, quand on parle de scripturalité, il y a un oral scriptural. Et il nous semble que, justement, c'est ce qui fait
c'est ce qui peut mettre en difficulté certains élèves, c'est qu'ils ne sont pas dans cette orale scripturale. Donc, c'est tous les travaux sur la secondarisation, en fait. Mais ils ne secondarisent pas parce qu'ils n'ont pas forcément cette approche réflexive par rapport au langage. Ils ne sont pas forcément dans un oral scriptural. En tout cas, oui, il peut y avoir scripturalité dans l'oral. Et par contre, pour ta nuance entre intertextualité et polyphonie, eh bien, je serais ravi que tu me l'éclaires parce que j'ai plutôt tendance à les mettre comme synonymes. Et je sais qu'il y a des nuances, mais que je ne maîtrise pas. Donc, on en reparlera tous les deux si tu veux. Il y a un article qui est déjà sorti, Jean-François, qui est dans la revue Repère, où on explique pas mal théoriquement les bases théoriques de la thèse d'Olivier. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant en tant que prof de philo du secondaire, en fait, dans cette recherche, c'est aussi que l'idée que l'écriture est vue comme un processus et non pas comme quelque chose qui serait un produit fini. Et donc, c'est pour aller dans le sens de ce que disait Sabrina juste avant, en disant qu'on n'est pas dans la correction. Le prof, il n'est pas un correcteur, c'est d'abord un lecteur. Et donc, c'est cette idée qu'on est là, comme c'est un processus, on peut l'améliorer. On rajoute ce petit truc-là, on rajoute ce petit truc-là. Un peu comme on fait en fait en atelier, où on va leur dire, tiens, tu pourrais me donner un exemple de ce que tu viens de dire. Là, c'est pareil, mais avec l'écrit. Et donc, parce que c'est vrai que cette idée d'écrit comme... comme poésie, quoi, ce serait une production finale, finalisée, ça peut faire peur, parce qu'on dit, oh là là, ça y est, c'est écrit dans le marbre, je ne peux pas y revenir dessus. Alors que là, l'écrit comme processus, avec vraiment cette trame, cette colonne vertébrale, ça change vraiment le rapport à l'écrit. On pense. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Rétroaction, commentaire. Marie, tu voulais réagir? Non, c'est une vraie question cette fois-ci. Ok, une question. J'ai une question maintenant. Et juste peut-être, Sabrina, c'est peut-être pour vous, mais aussi pour Olivier ou Charlie. C'est juste, est-ce que, j'imagine qu'avant, vous pratiquiez plus de façon dialogique à l'oral, est-ce que le fait d'avoir maintenant ce support écrit pour réfléchir et pour penser, le gain au niveau de la métacognition, est-ce qu'il est comme évident? Est-ce que, je veux dire, au niveau qualitatif, j'imagine qu'il y a un gain métacognitif qui permet vraiment d'aller plus loin? Juste, c'est peut-être un peu vague, mais je veux dire... Oui, c'est vrai que tout à fait. En fait, au début, moi, j'ai commencé classiquement, plutôt... par faire de la philo pour enfants, essentiellement à l'oral. Et je pense que je n'avais même pas imaginé qu'on puisse faire écrire les enfants philosophiquement. Et quand on a commencé à tester, effectivement, déjà, ça ouvre le champ des possibles, puisqu'on se rend compte que ça élargit considérablement la pensée et qu'on va finalement en avoir tous les bénéfices, que ce soit dans le climat de classe, dans tous les autres domaines. En français, en production d'écrit, en littérature, dans une prise de notes, en histoire. Et effectivement, comme on fait beaucoup de méta, ça développe aussi énormément le sens qu'ils mettent sur ce qu'ils font. Donc, c'est très... Finalement, ça innerve toute la pratique de classe. Je rajouterais aussi que, en fait, le problème aussi avec les pratiques orales, c'est que parfois, ils ne parlent pas tous. Et parfois, parce que tout simplement, il y a un gros effectif et qu'en une heure, on ne peut pas tous les entendre, ou en une demi-heure, on ne peut pas tous les entendre. Et donc, parfois, on entend « Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne pensent pas. Oui, mais comment on le sait, ça ?» C'est-à-dire qu'avec l'écrit, alors c'est vrai qu'on pourrait dire aussi « Ce n'est pas parce qu'il n'écrit pas qu'il ne pense pas. » Ça, c'est sûr. Mais ça pourrait, par exemple, quelqu'un qui serait très timide, quelqu'un qui aurait peur de parler devant les autres, c'est aussi un autre moyen de partager sa pensée et d'élaborer sa pensée à l'écrit. Donc, en ce sens, ça peut être aussi plus démocratique dans ce sens-là aussi. C'est d'offrir d'autres médiums pour partager sa pensée et pour penser. Et donc, je complète pour dire qu'il faut désinhiber aussi les enfants dans leur rapport à l'écriture. Et ça nécessite qu'on fasse fi, même si ça déplaît à un certain nombre d'enseignants, de la maîtrise du code. C'est pas l'enjeu, voire même de la maîtrise de l'outil graphique. C'est-à-dire que si l'enfant ne peut pas écrire, on écrira pour lui. Mais il sera quand même, pour le coup, dans un ordre du scriptural. Voilà, puisqu'il doit mettre en mots et pas juste parler.
Je réponds aussi à Muriel. Muriel, en fait, ce sont des enfants de CM2, 6e. Donc, ils ont entre 10, 9, 10 ans. Sabrina, c'est 9 ans, Tellement. CM1. Non, décemment. Voilà. Oui. 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 12 ans. Énormément. Et merci de mettre l'importance du fond plutôt que la forme, parce que nous, c'est ce qu'on fait à l'oral. Un enfant qui va produire une phrase croche, qui trouve, bah, voilà, on va pas focusser sur la forme parce que ça aurait pas d'intérêt, mais c'est ça, je pense, c'est super important. Puis du coup, ça me donne aussi. On avait commencé à écrire des fois à leur place quand on faisait des philosines, mais moi, je trouve que c'est une pratique très, très intéressante, vraiment. Puis parce que là, ce que vous disiez, Sabrina, c'est qu'il y a une espèce de généralisation d'aisance à l'écrit, en plus de la métacognition et du fait qu'ils peuvent s'engager plus parce que ça fait du sens pour eux. Ils se réapproprient, ils savent ce qu'ils font, ça, c'est intéressant. Et puis les enfants qui sont plus inhibés, c'est trois grands axes super importants. Merci. Ben parce qu'en plus, les élèves se rendent compte que l'écrit n'est pas qu'évaluatif. On peut leur proposer un écrit différent à l'école. Et quand ils ont vraiment pris conscience de ça, quand ils ont intégré que ça ne va pas être qu'une forme d'évaluation, eh bien, effectivement, ça leur permet, eux, de s'emparer davantage de l'écrit et de le travailler davantage en étant finalement moins bloqués par ce regard qui peut être simplement normatif, en fait. Et puis Christine Barret-Mignac, elle montre bien, elle rappelle bien ce conflit qu'il y a entre deux écritures, deux écrits, deux modes d'écriture qui sont ceux de l'école et ceux en dehors de l'école. Elle insiste déjà en 2000 là-dessus. Et il y a, voilà, et c'est deux mondes qui ne se superposent pas, qui sont cloisonnés, qui sont étanches. Et j'ai l'impression que l'école crée cette mauvaise, enfin, en tout cas, une représentation particulièrement négative de l'écriture. Et heureusement pour nous, ça n'a pas de conséquences en dehors de l'école, puisque là, il y a une étude qui vient de sortir qui montre que les adolescents écrivent énormément. Après, ce n'est pas les écrits nobles au sens de certains profs de lettres, mais ce sont des écrits, ils écrivent beaucoup. Voilà. Et dans une grande, avec une grande diversité. Vous pourrez voir là, sur le Café pédagogique en France, le rapport, il y a le lien vers ce rapport. Charlie, tu peux rappeler le Alors, nom? c'est en fait, c'est l'organisme Lecture Jeunesse hein, qui a mis en Voilà. place une recherche auprès de plus de 1000 adolescents. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va à l'encontre de tout un tas de représentations qu'on se fait de l'adolescent qui n'aime pas écrire. Et d'ailleurs, là, ce qui est vraiment aussi intéressant dans cette étude, c'est à quel point ils utilisent les nouveaux outils numériques pour faire cette écriture qui, justement, est reprise, se corrige. Est supprimé et déplacé avec notamment les applications notes sur le téléphone, c'est tout bête, mais nos élèves ils utilisent beaucoup ça et donc ça, on pourrait presque retrouver ça avec le post-it quoi. C'est-à-dire que c'est une autre pratique de l'écriture et pas moins riche. Merci. Donc, il reste 4 minutes. On n'aura pas vraiment le temps pour une autre question, je pense. C'était super riche. Merci pour la présentation. C'est très, très, très apprécié. Merci pour votre temps. La conférence a été enregistrée. Donc, si vous voulez la réécouter au besoin, vous allez pouvoir parce que les personnes conférencières ont accepté. Donc, merci pour ça. On va pouvoir aussi vous partager via la page Facebook du collectif la présentation PowerPoint pour les personnes qui sont intéressées. Sinon, notre prochaine conférence va avoir lieu le 20 décembre. C'est Agathe Delanoë qui va être la personne conférencière et le titre de la conférence, c'est Pratique du dialogue philosophique et construction de soi à l'adolescence, exploration d'une contribution possible. Sinon, notre prochaine communauté de pratique est le 6 décembre. En soirée pour le Québec. Donc, c'est sûr qu'on sait que pour les gens de l'Europe, c'est un peu plus difficile. On a des courageux des fois qui se lèvent à 1 h du matin, mais on vous laisse ça libre à vous de voir si vous voulez vous joindre à nous. On est en train de voir si on ne pourrait pas offrir une autre plage horaire aussi pour nos communautés de pratique. Donc, merci à tout le monde pour votre présence. Très, très appréciée. Un Est-ce que grand vous avez un merci. petit mot de la fin? Ben, très grand merci à Défi, Oui. qui est super association qui nous permet de partager tous ces travaux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Juste, Merci. où est-ce qu'on peut retrouver pardon, Merci. les documents dont vous avez parlé?
Là, c'est Nadia qui va nous dire où est-ce qu'on peut retrouver. Nous, on a beaucoup de liens dans le PowerPoint qu'on dépose. Il y a beaucoup de liens. Vous aurez juste à cliquer sur les liens. Même ceux qui, québécois qui ne connaissaient pas les cercles d'auteurs, vous aurez le lien vers le site des cercles d'auteurs. Donc, pour le collectif Défi, Anna, nous, on va publier à la fois sur la page Facebook, la page Collectif Défi, et sur le site web collectifdéfi.org. Donc, on va pouvoir mettre la conférence, puis le document de présentation. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir. Bye, merci.